à Paris pour rencontrer l'artiste V. Strauss-Kahn de la galerie 255. Vous êtes membre du comité d'honneur pour le gala du Palais Garnier qui aura lieu le 8 mai prochain. Votre travail est en relation très forte avec la nature. En quoi la nature vous inspire-t-elle ? Je pense qu'en nous regardant une vue, cette énergie, cela, je suis attirée à cette énergie, l'autre chose, de la même manière. Je crois aussi quelque chose atteint et que nous échappons là. C'est la même chose. Et pour moi, c'est ça. Vous introduisez des bandes d'éclairage dans votre œuvre. Que représente cette lumière ? Et je travaille autre chose. Tout. Créer une fête. C'est abstrait, pareil. C'est une idée. D'énergie, toujours. Dans le cadre du symposium de janvier de cette année qui a eu lieu au Palais Garnier, il était question du rôle de l'art, et notamment en quoi l'art aide à la construction de l'individu. Qu'en pensez-vous ? Je dirais qu'on comprend l'art, c'est le percevoir. Et d'une imagination en plus avec la sienne. Je crois que toutes les formes sont la plus haute forme culture civilisée. Et aussi, quand on visite quelque chose, il faut leur ouvrir l'esprit et le partager avec tout je sais et tout nous savons. C'est une illumination et aussi primordiale. Vous utilisez des dessins animés dans votre travail. Pourquoi ? En quoi ça vous inspire alors que vous faites un travail très contemporain et très abstrait ? Je suis sérieuse, austère. Et quelquefois, j'ai une idée comique et enfantine. Et alors, je peins, mais aussi avec une interprétation adulte subtile. L'autre chose encore, toujours. Mais, n'est-ce pas? Ça va. Vous aimez beaucoup la musique classique, alors que vous faites de l'art abstrait, très contemporain. En quoi cette musique classique vous inspire-t-elle ? J'écris une musique à piano et aussi l'art depuis 5 ans. Et je crois que réellement, je suis une vieille âme avec un esprit très jeune. Et je crois aussi, ici à Paris, ce que Paris a Paris, n'est-ce pas ?